Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, on se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que vous reconnaissez le décor derrière moi, ou pour les nouveaux, peut-être pas du tout. Mais je suis en week-end de Pâques chez mes parents, donc je suis avec les lapins. Et il faut absolument que je fasse un gros nettoyage de printemps dans leur enclos. Du coup, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, vous allez voir les lapins, puisque de toute façon, ils vont venir dans mes pattes. Pour le moment, ils sont en train de dormir dans les tuyas. Mais je sais qu'ils vont venir m'embêter quand je vais commencer à toucher à leurs petites affaires. Voilà, on se retrouve juste après l'intro. Je crois que vous vous rendez pas compte du bordel que c'est. En fait, je vais vous montrer, attendez. Ils ont... Du coup, je vous montre, en fait, comme ils ont creusé un terrier ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ils ont creusé un terrier ici, qui rejoint là-bas dans la cage. Bah du coup, toute la terre qu'ils ont enlevée, ils l'ont mise là. Du coup, ça fait qu'il y a... je sais pas si vous voyez, mais normalement, le niveau du sol, il est là. Et il y a... ça de niveau en plus à cause de la terre, parce qu'ils ont tout mis là. Mais bon, priorité c'est de nettoyer la litière et de remettre du foin, parce que là il n'y a plus rien, de nettoyer un petit peu tout ça, parce que c'est vraiment pas beau. Et je leur ai préparé de la pomme, et je les brosserai tout à l'heure s'ils viennent me voir. Mais bon, je suis presque sûre qu'ils viendront voir, en tout cas Vanny c'est sûr. Vanny il est là, la petite tache blanche que vous voyez là, et Ivoire elle est dans le tas. Je ne sais pas si vous vous rappelez du tunnel que j'avais construit de chez Omelette. Et ben en fait, on l'a relié à leur enclos. Et du coup, ici, il y a un trou, donc ils peuvent passer. Et la nuit, en fait, ils peuvent venir jusque-là, regarder. Bien sûr, c'est sécurisé. Enfin, ici, c'est totalement condamné. Hein, c'est fermé. Ils ne peuvent pas sortir la nuit de leur enclos. Mais voilà. Et regardez, ils sont là. Il y a Ivoire qui est sur... Bah elle est partie se cacher. Ne vous pas tarder à venir me voir. Bonjour. Bonjour monsieur. Vanny. Arrête. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que t'as pas vu les amis de YouTube non plus. Tu dis bonjour. L'avantage du terrier, c'est que déjà je l'ai laissé parce que j'ai vérifier qu'il n'y avait aucune sortie en dehors de l'enclos et qu'aucun du coup prédateur ne pouvait sortir ou que les lapins ne pouvaient sortir la nuit. Et je l'ai laissé parce que quand il fait chaud l'été, ça leur permet d'être au frais. Ivoire, elle est toujours un peu craintive. Elle ne se laisse pas trop approcher. Voilà. Si elle peut nous éviter. Elle, notre présence, ça ne la dérange pas, mais elle ne veut pas. Le contact, c'est pas trop. C'est pas trop ça. Malgré que Vanny, lui, se laisse caresser. Faut manger à la cantine. Hein? C'est Ivoire qui te pique tous tes repas. Oui? We'll be right back.
une bonne litière. Ah, tu lui as fait peur. L'heure des pommes. Ils se font la toilette. Et elle est partie dans le terrier, normalement elle devrait ressortir là. Si les deux sont liés. La vanille. Tu regardes qu'il ne mange pas le fil de. Ah ben non. Oui. Il dort.
les amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo, ce petit vlog, parce qu'en vrai, j'ai juste filmé la journée comme elle s'est déroulée, ce qui aurait pu juste vous intéresser ou quoi. Il n'y avait pas vraiment de but, donc ça, ce sera juste un petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Après, ce sera seulement fin avril, puisque je reviens là normalement fin avril, début mai. Voilà, j'espère que ça vous a quand même plu de me revoir un petit peu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite tous d'aller très bien.